Bousculade meurtrière au Ghana. 9 personnes, dont 6 femmes, ont été tuées lors d'une fête organisée dans le centre du pays pour célébrer la fin du Ramadan. Au Burundi, les agents du SNR, les services secrets, ont de plus en plus recours à des actes de torture d'une grande cruauté contre les opposants emprisonnés, selon l'ONG Human Rights Watch. L'ONU a également déploré la détérioration tragique et massive des droits de l'homme au Burundi fin juin. En RDC, les passes d'armes continuent entre l'opposant Moïse Katumbi et les autorités. Aujourd'hui, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, a fustigé l'ignorance de M. Katumbi, le renvoyant à ses études. L'Organisation mondiale de la santé va lancer début août une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune, concernant 15,5 millions de personnes en Angola et en République démocratique du Congo. Son coût estimé est de 34 millions de dollars, dont il reste 20 millions à financer.